Clear the road, ayo, clear the road, clear the road, let the slaves them pass. We go for a few freedom. Dégagez la route, laissez la route. Dégagez la route, laissez les esclaves passer, qu'ils retrouvent leur liberté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour parler de l'harmonica. L'harmonica, c'est ce petit instrument à vent de la famille des hanches libres. Cet instrument à vent, dans lequel on va souffler pour produire un son, fonctionne effectivement grâce à des hanches qui sont à l'intérieur et qui, lorsque l'on souffle, vont vibrer. Ces hanches, ou ces hanches en métal, vont se mettre à vibrer dès que l'on souffle. Ou que l'on aspire dessus, pour produire un son. Cela rappelle un petit peu l'accordéon, le mélodica, qui fonctionne de la même façon. Ce sont donc ces différentes hanches de différentes tailles qui vont nous permettre de jouer grave ou aigu. L'harmonica a été inspiré par l'orgue à bouche qui nous vient de Chine. Mais lui est bien né en Allemagne, Autriche, on ne sait pas qui a eu le premier l'idée de cet instrument. On sait en tout cas qu'il vient d'Europe. Mais très vite, grâce à sa taille, il a voyagé dans toute l'Europe. Au début, pas comme instrument de musique. Non, au début, il a voyagé comme bijou que l'on portait à un collier. Et on paradait avec son harmonica bijou. Et puis, les immigrants l'ont emmené aux États-Unis en bateau. Et là-bas, il a vite trouvé sa place dans la poche des voyageurs. Par son côté pratique, son côté maniable, il a vite fait le tour de l'Amérique, et puis aujourd'hui le tour du monde, car c'est l'instrument le plus vendu et le plus fabriqué dans le monde. On a déjà dépassé les milliards d'harmonicas depuis quelques années. Il était une fois, dans un grand village sur les côtes du Sénégal, un roi. Un roi qui avait en sa possession plusieurs esclaves, qui travaillaient pour lui toute la journée, voire toute la nuit. Parmi ces esclaves, il y avait un couple, avec un homme, une femme. La femme allait bientôt avoir un enfant, mais l'homme était très malade, trop fatigué par son travail. Et il a fini par mourir avant de voir la naissance de son enfant. La femme ne voulait pas rester seule auprès de son maître, le roi, ne voulait pas rester seule, esclave. Alors elle s'est enfuie une nuit. Elle s'est enfuie, mais son fils arrivait. Il allait bientôt naître. Alors elle s'est allongée près d'une rivière. Et lorsque son petit est né, elle a coupé le cordon avec un bout de canne à sucre qu'elle avait avec elle, l'a porté tout contre elle et s'est endormie. Petit matin, lorsqu'elle s'est réveillée, il n'y avait plus de traces de son fils. Il avait disparu. Elle l'a cherché dans les fourrés, elle l'a cherché près de la rivière, elle l'a cherché dans les champs d'alentour, rien. Alors elle se remit en marche, en pleurant. Elle a fini par arriver dans un autre village, un grand village dirigé par un autre roi, tout aussi méchant que le premier. Mais ne sachant que faire, ne sachant où trouver à manger, elle s'est mise à sa disposition et est devenue son esclave. Le fils, lui, avait été enlevé par une femme génie, qui n'avait qu'un enfant et qui en désirait un deuxième. Le trouvant si joli et voyant sa mère si fatiguée, si abîmée, elle a pensé qu'elle se devait de secourir l'enfant et de l'élever. Ce qu'elle a fait. Elle s'est occupée de lui pendant des années, du mieux qu'elle pouvait, aussi bien que son propre fils, qui avait presque le même âge. Et ensemble,
Ils étaient bergers, ils emmenaient les bêtes paître dans les différents champs. Et voilà, au bout de quelques années, l'enfant de la femme esclave se languissait de sa mère. Il avait envie de la connaître. Il avait envie de savoir qui elle était et pourquoi il ne l'avait jamais vue. Il s'en est confié à son frère. Son frère lui a dit, tu sais, ma mère, la femme génie, t'aime beaucoup. En rentrant chez nous ce soir, fais semblant d'être malade. Quand elle te demandera ce que tu as, tu lui diras que tu veux rencontrer ta mère et c'est ce qui te rend si mal. Alors elle te laissera partir. Et tu pourras peut-être enfin découvrir ta mère. Le soir arrivé, le fils de la femme esclave a fait tout comme avait dit son frère. Il s'est posé dans un coin, la femme génie lui a demandé, il a expliqué. Alors elle a accepté, elle lui a dit, demain, tu partiras à la recherche de ta mère. Je te donnerai de quoi vivre pendant ton voyage. Tu partiras à la tête d'un troupeau pour pouvoir t'installer, si tu le souhaites, comme berger. Mais attention, beaucoup de femmes prétendront être ta mère lorsqu'elles te verront arriver. Alors, tu leur demanderas de t'expliquer comment elles t'ont mis au monde. Et seule celle qui répondra qu'elle t'a mis au monde près d'une rivière et qu'elle a coupé le cordon avec de la canne à sucre, seule cette femme sera ta mère. Le lendemain matin, le fils a salué la femme génie, a salué son frère, et il est parti à la tête d'un troupeau de 100 moutons, 100 chèvres, 100 vaches, 100 poules, 100 ânes. Il est parti vers le premier village de l'autre côté de la brousse. Il est arrivé dans un premier village où il a fait savoir qu'il cherchait sa mère. Tout de suite, de nombreuses femmes sont arrivées. Voyant la taille du troupeau, elles se sont dit que cet homme-là devait être très riche. Mais à chaque fois qu'il posait la question « Où m'as-tu mis au monde? » elle répondait « Mais dans une chambre somptueuse, sur un lit magnifique. Et comment as-tu coupé le cordon? Oh, ce n'est pas moi qui ai coupé le cordon, on a fait venir la meilleure des sages-femmes pour s'occuper de toi. » Et à chaque fois, il répondait « Mais tu n'es pas ma mère. » Et il a traversé comme ça de nombreuses villes, de nombreux villages, jusqu'à arriver dans le village de ce roi qui possédait sa mère comme esclave. Après avoir posé la question à toutes les femmes du palais, toutes les femmes du village, il s'apprêtait à repartir. Quand un des esclaves du roi lui a dit « Mais attends, il reste une femme esclave qui travaille à la cuisine, que tu n'as pas rencontrée. » Les autres autour de lui rigolaient. Comment veux-tu que cette femme habillée de haillons soit sa mère? Ce n'est pas possible. Toutefois, le fils a voulu rencontrer cette femme. Une fois qu'il est arrivé, elle l'a tout de suite reconnu. Elle a couru vers lui. Mon fils, c'est toi qui reviens me voir. Comme tu as grandi, comme tu es beau. Le fils l'a repoussée. Si tu es vraiment ma mère, où m'as-tu mis au monde? Mais sur le bord d'une rivière, mon enfant, tu arrivais tellement vite, je n'avais rien, je ne possédais rien. Et comment as-tu coupé le cordon? Avec le bout de canne à sucre que j'avais avec moi, c'est tout ce que je pouvais utiliser. Alors l'homme a fait un grand sourire et s'est jeté dans les bras de sa mère, qu'il avait enfin retrouvée. Ensemble, ils sont revenus vers le village d'où était originaire la femme. Quand le fils est arrivé à la tête de son troupeau, très vite, on l'a nommé chef du village. Alors, il a partagé toutes les richesses qu'il y avait. Il a partagé tout son troupeau avec tous les habitants du village. Et il a libéré tous les esclaves de la région. Clear the road! Yeah, clear the road, clear the road, let the slaves them pass. We go for a few freedoms.